Et bonsoir à tous les amis, bienvenue sur le live, bienvenue à tous, bienvenue à Ruben, bienvenue à Plinks, bienvenue à Axman, bienvenue Letty, bienvenue qui encore, j'ai vu plein de monde, Lige King qui est là aussi, bienvenue à tous les amis, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau live, le dernier de la semaine, je vous rappelle, c'est le dernier, demain on n'est pas là, Neymar qui est là également, bonsoir et bienvenue à toi, ça fait plaisir de vous retrouver, il y a Shega qui est là également pour la première fois sur le live. Bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Nous, on va partir tranquillement sur un petit live chill de 3 heures. On va commencer comme à chaque fois sur une nouvelle réac du mystère. Ce sera la dernière les amis, la dernière c'est la partie 6, c'est la dernière. Et du coup avant tout ça, je vais recevoir D-Track qui est là. Comment ça va mon Lucas ? Salut, bah ça va très bien pour cette petite dernière. Pour la petite dernière, alors après on en parlait un petit peu en off là. On va peut-être faire une très grosse réac du documentaire qui dure une heure sur l'histoire du mystère de GTA V. Donc voilà, Loïc, j'ai pas de news. Voilà, mais peut-être qu'il viendra pour la très grosse réac. Nous on va faire une très grosse réac du mystère sur le documentaire où après on reviendra, on fera un débat etc. en mode quel avenir pour le mystère de GTA V et tout, ça peut être sympa. Alors est-ce qu'on le fera en live sur ma chaîne Twitch ou est-ce qu'on le fera sur la chaîne YouTube directement, ça je ne sais pas encore. Mais voilà, sur cela les amis, on va faire un petit point. D'abord, sur le planning de ce qui nous attend, en fait, juste ce soir, puisque comme je vous l'ai dit, ce week-end, rappelez-vous, pas de live, puisque je suis à un événement caritatif en Belgique. Alors, moi, je n'y participe pas, j'y vais en tant que spectateur, uniquement spectateur. En fait, c'est sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, où en fait, c'est un rassemblement automobile avec... Pas mal de choses et avec tous les fonds qui sont reversés à une association. Donc n'hésitez pas à suivre directement ici, là, regardez. Là, il y a le petit logo Instagram, ça vous envoie directement sur cette petite page-là. Chris Klippel juste ici, parce que sans vouloir trop en dire, je pense qu'il va y avoir des petites choses sympas à voir ce week-end. Tu vas finir par y déménager. Non, je suis bien dans mon sud. voilà, c'est... Après j'y vais en général, j'y vais pas non plus souvent. Là c'est vrai que là ça fait deux fois en un mois. Mais voilà, et merci mon Reda. Reda aussi qui est là, coucou Reda, merci mon Reda. J'ai vu Younes aussi tout à l'heure, merci pour les réseaux. Comme à chaque fois les amis, on va commencer tranquillement déjà. Est-ce que vous allez bien? Déjà, est-ce que vous allez bien? Et merci Sodrino pour le follow. Plus que 7 personnes et on est 3500. C'est pas beau ça? Le retour va être compliqué. Pourquoi? Quel retour? Retour peut-être pour le retour au niveau des routes, peut-être, non? Je sais pas. Bienvenue Sodrino, première fois dans le chat. D'ailleurs, en Belgique, ils font la deux. Oula, je suis en train de te perdre, Lucas. Et salut Freddy! Ah ouais? Ça y est, ça va mieux. Ouais, ça doit être bon. Je disais, ils font la bise combien de fois là-bas en Belgique? Deux ou trois fois? Oh putain, je sais même pas. Je sais pas. Me trotter toute la tête et du coup dès que je vais voir quelqu'un en Belgique, je vais lui faire la bise en mode pour savoir comment ils font. tu as déménagé? Alors oui, j'ai déménagé. Alors pas en Belgique, hein. Je viens de déménager toujours dans ma petite ville de Montélimar, mais pas en Belgique. Voilà. Une fois la bise en Belgique. Une bise? C'est trop bizarre. Genre juste la droite ou juste la gauche, ça se passe comment? C'est trop bizarre. Ah, ça me stresse. Ouais. Nous, dans le sud, c'est 3. Hein. C'est 3. Ouais, mais ça, j'ai jamais compris. De quoi? Ça, j'ai jamais compris. La bise 3 fois. Bah, ça sert à quoi? Il y a que 2 joues. Hop. Enfin, tu sais, c'est en mode check, tu vois. C'est tac, tac, tac. Enfin, c'est... Je sais pas. Ouais, il n'y a pas d'explication ou quoi. Mais bien sûr que si. Mais c'est que vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Deux fois, je sais pas, moi si j'en fais deux fois, il manque un truc, tu vois. C'est... Je sais pas. Dites-nous dans le chat combien de bises vous faites.
Moi, on va Après, je faire en... t'avoue que depuis le Covid, je pense que la bise, ça se fait de moins en moins. C'est Donc, vrai. C'est vrai. Zéro. Voilà, Private Eye, c'est zéro. Deux pour Thibaut. Ok. Non, c'est vrai que c'est bizarre. Moi, j'en fais trois. Hein. J'en fais trois. Mais tout le monde ici, hein, mais avec mes potes et tout, on se fait trois fois la bise. Deux pour Letty. Ok. Ok. Deux pour Reda. Ok, je suis tout seul. Ok. Il n'y a personne qui vient du sud, bordel. Deux. Ok. y a personne du sud Sur Paris, bah, tu donnes d'ici. un coup de poing. C'est pas dans nos mœurs au Québec. Ouais, au Québec, ouais. 3, je suis pas de Montélimar. Bah voilà, Cedrino, t'es d'où, Cedrino? Dis-nous tout un peu. Moi, j'évite la bise, je m'adapte à la personne. Ah, je m'adapte à la personne. S'il fait 8 bises, bah je fais 8 bises. Ok, bah nous, dans le sud, en tout cas, c'est 3. Voilà. Et pas que Montélimar, hein, tout le sud. Hein. Tout le sud. Enfin, je crois. J'ai pas Ah oui, entendu ça. ça c'est. Oui, en grande partie, c'est trois fois chez vous. Ça a été toujours assez impressionnant dans le. Peut-être dans le tour NSTG. Avec Nico, on était en mode c'est deux, c'est trois. Ah, c'est 3. La 3 bis, ça vient de la Suisse. Bah voilà, Thibaut. Les 3 bis, ça vient de la Suisse. Ah ouais? Ah ouais? Ah, ça s'est peut-être perdu au Haut-Savoie, parce que nous, chez nous, c'est deux. Clairement, mais je pense que ça dépend des familles. Ok. Ouais, bah franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Sur ce, les amis, après ce débat incroyable autour bah, de combien de bis vous faites. Place à ceci, les amis. À ceci. Tac. Salut à tous, c'est Liberty Voilà, Flower comme Class, c'est bienvenue parti dans cette. directement. Attendez, je me suis trompé, c'est là. Hop là, sinon on voit pas Lucas. On voit pas Lucas. Et là, par contre, on voit pas. Hop, si je fais comme ça devrait être mieux là. Voilà. Du coup, on part sur le réac de la troisième vidéo du mystère de GTA V. Et après, ben, on enchaînera sur Crash Bandicoot 2 pour finir la semaine un peu en rageant. Un peu beaucoup Oui, en comme rageant. d'hab. Voilà, en rageant complètement. Et puis voilà. Troisième, j'ai dit quoi? J'ai dit troisième? J'ai dit troisième partie du mystère? Non, la sixième. C'est la sixième, ce sera la dernière. Parce qu'après, à partir de la partie 7, ça commence à faire 25 minutes. Puis après, c'est 28 minutes. Après, c'est 37 minutes. 31, 46. Après, ça part vraiment dans des délires. Je crois qu'il y a une partie qui fait 50 minutes. Hein. Ouais, la C'est partie la partie 16. 16 qui fait 53 minutes. 53 T'as la minutes. partie 12 qui fait 46 minutes. Ouais, 46. Ouais, après, ça part vraiment. Et ça commence à devenir plus récent après, donc ça perd un peu, pas en charme, mais tu vois, en nostalgie, vu que ça, c'est vraiment Oui! celle des 10 ans, quoi. Là, celle-là, la partie 6, c'était encore le 29 octobre. La partie 7, juste par curiosité, voir la partie 7, elle était déjà le 21 novembre. 21 novembre, Je crois que c'est ouais. la partie 9, la dernière, de 2013. Après, là, la partie 8, 14 décembre. Partie 9, 21 février pour le 21 20. février pour la 10. Voilà. Et après, c'était la 10, on était au 21 février. Oula, la 10, avec du Michael Jackson. Ah oui, c'est quand j'avais mon... Fais gaffe à pas te faire strike, hein. Ouais, je vais... Mais en fait, il y avait eu la mise à jour... voilà. Il y avait eu la mise à jour de la Saint-Valentin, et tu pouvais faire le... Ah merde, Ah, la j'avais vraiment... tenue, Voilà, ouais. la tenue Smooth Criminal. Ok, voilà. Elle est trop classe. Trop, trop classe. Après partie 11, on avait fait le 31 mars 2014. Partie 12, si je dis pas bêtise, c'était sorti en novembre. Voilà, 1er novembre 2014. Partie 13, c'était 2016. Voilà. Après, pendant un an et demi, il n'y en a plus eu. Et la partie 13, ça a vraiment été le retour. Juste après la mise à jour trafic d'armes, etc. Partie 14, je crois qu'elle était sortie pas très longtemps après. Attends. Attends, il y a un bug là. Ah non, un an après. Waouh, pendant un an, il n'y en a plus. Entre laquelle et laquelle? Donc la partie 13, 17 septembre 2016. Et après, c'est la Oh, la partie date 14. anniversaire. Oh. Ouais, la date anniversaire. C'est le 13 septembre 2017, quasiment un an après. Et la partie 15, 15 décembre 2017. 28 février 2018 pour la partie 16. Et bah tu vois que là pour la entre la 13 et la 14, il y a même eu le changement de logo à l'époque. Ah, là, il y a eu un gros changement.
En même temps, la 13 et la 14, il y a un an et demi d'écart. Et même au niveau du montage, etc., tu sens que Non, même pas c'était. un an, il y a vraiment pile un an. Hein. 17 septembre 2016, 13 septembre 2017. Ouais, il y a un an. Vraiment à quelques jours près, franchement, un an complet, quoi. Bah du coup, nous on enchaîne sur cette Deuxième vidéo partie 6, contenir donc on va commencer parce que le début, pareil, contenu c'est un petit peu, d'avance voilà, radiophonique résumé, on originale vient toujours se prévoit résumer. que la vue pro comme leur manoir les trucs dans le jeu. Une semaine qui a pris un membre 3 semaines, le clan hippie, c'est voilà, à Sandy Hood, on part Karma, It's a Chameleon. Donc Là on Karma enchaîne est un sur caméléon, donc ça. Karma on sait pas si c'est un homme, si c'est un objet. Le fait que soit marqué que c'est un caméléon, ça peut nous montrer plusieurs choses, comme par exemple qu'il peut changer d'apparence, changer de couleur, difficile à trouver. Ah, ce vieux social Donc club, voilà. quoi. Donc on enchaîne Ah, au directement score. avec, c'est le gros mystère qu'on a trouvé, donc c'est les fameuses îles secrètes. Donc pour ça, Ah il faut oui, nous les îles prendre pour le social secrètes, club. qui ne Donc d'abord sont dans un pas du jeu tout des îles précédent. secrètes. Dans GTA Non. 5, carrière, checklist. Donc la checklist, en fait, ça vous montrer votre avancement dans le jeu. Donc vous allez pouvoir voir qu'en fait, il y a 200%. Donc là, vous pouvez voir, il y a 42 hobbies. Mais si vous allez dans le Social Club, il y en a 58. Ça veut dire qu'en fait, il y a le 100% du jeu où il faut faire pratiquement la moitié des activités. Et le 100% du Social Club, le vrai 100% où il faut tout faire. Mais en Et fait, à il y a mon avis, ce vrai 300%. 100% doit avoir une influence dans le jeu. Autant bien pour vraiment découvrir le mystère, il ne faut pas avoir le 100%, mais le vrai 100%. Donc moi, j'en suis pas loin. J'espère que je pourrai voir. En dessous, vous voyez cette map qui est très intéressante, puisqu'elle nous montre tout ce qu'on a découvert, donc les lettres, les inconnus, les événements aléatoires, les pièces aliens. Elle vous montre aussi des choses que vous n'avez pas découvertes, surtout les événements aléatoires. Mais cette map est très importante pour autre chose, parce que si on zoome un peu, vous allez voir C'était incroyable parce que toutes du les coup à l'époque choses qui c'était le seul apparaissent dans moment, le enfin le sexe, seul moyen de le pouvoir style, accéder à la tout carte ce qu'on de Los pourrait Santos sur imaginer. un Surtout quand vous PC. voyez les îles qui longent la côte, elles C'est sont fouf. minuscules et pourtant pour voir dans le jeu elles sont quand même C'est vrai que assez c'était quand grandes. même Donc bizarre là vu cette comme île elle est aussi. immense, on peut pas la louper. Et pourtant elle est disponible nulle part, mis à part sur cette carte du Social Club. Dans le jeu elle n'y est pas, sur les maps officielles du jeu, sur les maps satellites, elle n'y est pas non plus. C'est très étrange. C'est vraiment mon livre du Oui, gros pourtant on peut troll. pas la louper. C'est sûr qu'ils ont fait ça pour le Donc voilà, troll. une carte satellite. Donc je vais faire un petit zoom Ouh, à peut-être l'endroit juste un oubli, hein, ça où ça arrive, s'est hein. trouvé et on peut voir qu'effectivement il n'y a rien du tout. Sur une carte officielle maintenant, pareil, on zoom et à l'endroit où l'île doit se trouver, il n'y a rien. Donc bien entendu, je suis allé sur le terrain, vous en doutez bien, je ne vais pas rester là sans rien faire. Donc on était sur le terrain plutôt, parce qu'on était tous les trois, donc on y restait bien 4-5 heures à cet endroit, donc on a tout fait. On est On allé était. Ah, mais oui, ensuite. on était tous les trois. Là, c'est en gros. C'est une fois où j'avais fait avec Loïko et Bonsaï. On était tous les trois, effectivement. Ok. Et c'est sur ça, après, qu'a découlé la théorie des pyramides. Enfin, c'était incroyable. Salut, D'Angelo. Bienvenue à toi. Et salut, Techzy. Bienvenue, les gars. Parce qu'il existe des îles sous-marines dans le jeu, donc on aurait pu penser que c'est une île sous-marine. Donc un conseil, si vous voulez aller Très voir, bon en slip. faites le code nager plus vite Ouais, bah et alors prenez là. un cible, ce sera plus pratique. Et ne descendez pas trop profond parce que sinon le code invincible se désactive. Nagez donc à l'endroit où elle est bien profond et là vous allez voir ça qui est très très Pardon. étrange. Voilà, on dirait carrément qu'un bout de map a été enlevé. Voilà, c'est découpé vraiment Ah, mais ça par contre, c'est ouais. des angles droits, c'est coupé comme ça, on sait pas C'était trop. ouf quand même à Attention de ne l'époque pas de trop approcher. tomber là-dessus Ouais. quoi. J'ai essayé Ouais, et puis de curieux de voir du continuer coup ce que ça sans va donner, pas enfin ce aller que voir ça tout ce donne, qu'il y a. parce que j'ai complètement zappé ce truc-là. Grave. Donc gardez le code invincible à portée de main. Donc voilà, c'est Par vraiment contre, très à chaque fois que étrange. je vois sous la flotte, il y a vraiment deux trucs Je sous dis la pas que flotte qui c'était m'ont tous toujours les fonds marins, impressionné. mais j'en ai vu C'est du pas coup mal. l'OVNI Plus du on est coup stylé sur la craché. map, à chaque fois, Ouais. ça devient de plus en plus Du sombre coup, jusqu'à avoir la un trappe. écran noir complet. Ouais, la Là, trappe. d'un coup, on dirait vraiment Et qu'un bah la trappe, c'est Iron, l'Easter Egg à qu'un Lost. bout de map a été Bienvenue, enlevé Iron. vraiment. Et du coup, je Donc m'étais, juste à je me côté, on rappelle a jamais une espèce de le montagne code Morse de sous-marine. la trappe, Ça c'était fait penser vraiment un petit peu aux Let's Go dizaines de Bowling? tweets de Rockstar qui disaient qu'on Je cherche une crois, je nouvelle sais plus, je me montagne souviens dans la plus. Pléiade et qui Je crois disaient que t'as. qu'il n'y Enfin, avait pas une montagne faudrait retrouver au parfaite pire des cas la dans partie du la plaie. mystère où Donc c'est dedans. franchement, en lisant ça, Ben, je crois que mais c'est bon. celle-là, Rien hein. qu'en au sommet de cette montagne, vous allez voir qu'il y a un phénomène assez bizarre. Ah bah Parce tiens, qu'il bah y ouais, a la trappe elle est dans plein cet de épisode-là. Bon poissons qui bah, apparaissent. ça va venir. Ben, à l'époque, je savais pas. Voilà, on y est. Et là, vous allez voir, il y a des poissons. On dirait qu'ils sont entraînés par un courant. Il y en a une centaine qui apparaissent d'un coup. J'adore. C'est pas des poissons comme les autres qui sont articulés, qui bougent. Là, on dirait seulement des images qui
immobiles, des poissons morts, on dirait. J'adore à quel point tu décris juste le jeu comme ça. Vraiment, on dirait qu'ils sont entrés par les poissons nagent bizarrement. Bah merci Chris. Avec les personnages, si on reste sur place. Après, c'est vrai, grave, c'est trop bizarre, on dirait vraiment qu'ils sont attirés. Tu vois, on dirait vraiment qu'il y a. Ils sortent vraiment de la montagne, ils sortent du sol, on sait pas ce qu'il y a, donc du coup, on a essayé de chercher. Après, il y a peut-être un point de fuite, tu sais pas. Sous la map, voir à l'intérieur, on n'a pas trouvé. Mais en tout cas, on a essayé de. N'empêche, les fonds marins de Los Santos, pour moi, c'est le truc le plus sous-exploité au monde. Mais grave. C'est grave. Indécent de faire un univers aussi vaste et dans le temps d'en rien faire, tu vois, c'est dégueulasse. Vous jouez un peu avec la caméra et là vous allez réussir à voir que la montagne cache rien du tout. Donc, ça peut être des textures cachées, hein, c'est Rockstar a suffisamment d'expérience pour pouvoir cacher des textures, sachant qu'ils savent que dans chaque GTA on et ça dit pas qu'on pourra pas, tu vois, cette interrogation de se dire est-ce que c'est des textures cachées ou pas. Maintenant avec les fichiers, les codes sources du jeu, tu peux tout savoir, donc c'est foutu. C'est pour ça que même s'il y a un mystère dans GTA 6, on pourra jamais avoir ça en fait. Quoi qu'il en soit, juste à côté, il y a j'aimerais bien parier sur le fait que ça pourrait être possible, mais bon, c'est plus du fantasme que de la réalité, tu vois. Entendu parler la trappe sous-marine qui serait soi-disant une référence à Lost. Ah, la fameuse. Pendant moi, j'ai un peu du mal à dire que cette trappe est là juste pour faire joli. Parce que là encore, on y restait pendant près d'une heure et demie, deux heures sur cette trappe. Et on peut voir. Une heure et demie, deux heures. Dites-vous qu'à l'époque, c'était ça. Pour faire une vidéo mystère, ça prenait au moins 4-5 heures. Parce qu'à chaque endroit où t'allais, tu restais, mais l'équivalent de. Tu restais l'équivalent de 1 ou 2 jours IRL dans, enfin, dans le jeu en fait, pour voir s'il se passait des trucs, etc. On est resté pendant 3 heures, on est resté plein de temps devant, jamais on a réussi à l'avoir s'éteindre ou s'allumer. Et dès qu'on changeait le point de vue de la caméra, hop, elle s'éteignait, hop, elle s'allumait, et jamais on a réussi. Donc là vous allez voir à nouveau, au bout de quelques minutes, hein, c'est pas dès que vous changez la caméra, il faut rester quelques minutes. Hop, à nouveau. Imagine un jour, il l'utilise pas en tant qu'easter egg, mais en tant simplement qu'il y avait une demande dans le jeu. Je serais trop en kiff. Bah dans une mise à jour, c'est tellement possible. Avant la vidéo, vous allez voir si on reste longtemps donc devant la trappe, écoutez ce qui se passe. C'était ouf ça. Ah vraiment. Je me rappelle en fait quand on était donc. En fait, je me rappelle à l'époque j'habitais à Lyon. Et donc, avec le coup, on se voyait très souvent parce qu'on habitait à côté. Et Banzai venait du nord, donc de Lille, où ils font deux bises. Et du coup, il est venu une semaine. Il est venu une semaine chez moi. Et en fait, on avait fait cette partie 6 du mystère. Et il me semble qu'on a fait la partie 7 aussi. Et donc, quand on avait découvert cette trappe, on avait vu donc des rumeurs sur des forums. Donc, on est allé voir. Et on est resté, puis le son de la télé était quand même assez fort pour on entend un truc quoi que ce soit, et c'est tranquille, c'était le soir, et d'un coup on entend ces trucs taper, et là il y a un gros blanc, et on se regarde en mode, qu'est-ce que c'est, et on comprenait pas que c'était dans le jeu, et nous on commence à regarder en mode, putain mais il y a des voisins qui tapent et tout. Il a eu un coup de flip le Chris. Mais c'est ça, et même nous, et en fait c'est au bout de 2-3 heures, au bout de 2-3 fois, qu'on se rend compte que c'est dans le jeu. Et là, on commence. Et vous n'avez pas pensé simplement juste à baisser le volume de la télé ou enlever le volume de la télé deux secondes? Bah non, parce qu'en fait, on était là et en fait, comme ça faisait vraiment le tapotement. Et après, mais ça nous a fait encore plus flipper que ce soit dans le jeu. Parce qu'on était là en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Moi, ça fait flipper. Ça fait bader, hein. Ouais, mais franchement, ouais. Ah, j'ai une pub. Ah, juste après, t'as de nouveau après une carte avec une île cachée. Ouais, c'est la petite île, celle-là, mais qui n'est pas vraiment cachée. Je crois qu'elle apparaît quand même. Un petit peu. En tout cas, trop flippant quoi. Ah, franchement, cette trappe là. Les souvenirs, vraiment les gros souvenirs. Mais je trouve qu'il y a une aura trop bizarre quand tu vas dans sous la flotte, dans les fonds marins de GTA V. Ouais. À chaque fois que tu y vas, tu sais,
T'as l'impression de pas être à ta place, et j'adore cette impression. Étrange. Mais plus étrange encore, c'est qu'on a réussi à trouver une deuxième île secrète. D'accord, c'est vrai que enfin, c'est un peu perturbant. Un peu moins secrète, puisqu'elle apparaît encore voilà, sur la map du Cyclope, vous allez voir. Elle est tout près du camp du bar des Lost, sur l'autoroute qui mène à Paleto Bay. Donc c'est cette petite île. Si on reprend la carte satellite, elle apparaît pas. Par contre, si on prend la map officielle du jeu, vous allez voir que effectivement elle apparaît. Donc c'est pas facile à voir, mais je vous invite à vous trouver une map. Et quand on va sur place, par contre, eh ben, à nouveau, aucune île. Donc on est allé voir à nouveau sous l'eau si c'était une île sous-marine. Et vous allez voir qu'à nouveau... Il y a c'est pas qu'on croyait que c'était quelqu'un qui toquait à la porte, mais on croyait vraiment que c'était un voisin à côté. Après, très vite, on s'est dit, putain, c'est quand même un tapement bizarre. Donc en fait, ça nous a fait trop bader parce que, en plus, c'était quoi? C'était 2-3 heures du matin, on faisait ça la nuit. Et on s'est dit, mais c'est pas quelqu'un qui tape à la porte. C'était vraiment un truc, on aurait dit quelqu'un qui... Et du coup, on commençait à bader, on dit, qu'est-ce que c'est? Et c'est vraiment au bout de 2-3 fois qu'on s'est dit, putain, mais c'est toujours la même chose. Et quand on a commencé à écouter le jeu, en mode, putain, mais en fait, c'est dans le jeu. Et donc voilà. D'étrange à signaler, pas d'apparition de poisson, pas de map découpée, ni rien. Donc bon. Donc pour revenir à cette île, je vous tiens à vous signaler quand même qu'on est passé environ 4-5 heures à l'endroit de cette île. On a et ça, c'était réel, les affaires. Hein, c'est pas en mode, je peux dire 4-5 heures. Non, c'était que vraiment, on passait une nuit entière, voire plusieurs nuits entières pour tourner une vidéo mystère parce que on patientait, on attendait pour voir ce qui se passait. C'était vraiment ça. Juste pour voir si t'avais pas une marée ou un truc comme ça. Exactement, ouais. Pour voir si, selon les conditions climatiques, des fois, en fait, on faisait une journée avec la pluie, une journée avec le beau temps, une journée avec la neige. Enfin, on faisait vraiment. Donc, voilà. C'était. On faisait, en fait, les 7-8 conditions climatiques. Avec 24 heures dans le jeu. Donc je crois que 24 heures dans le jeu, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, je crois. C'est 48 minutes, je crois. Ouais, 48 minutes. Donc on faisait vraiment pluie, neige et beau. Donc on faisait passivement 3 heures à chaque endroit, quoi. Les textures, genre les poissons et tout, c'était que des carrés noirs. Ah, par contre, j'attends grave sur le prochain. S'il y a un système de marée, ce serait genre juste oufissime à mettre en place ça. Je sais pas si c'est un rapport ou c'est mon jeu qui a bugué. Répondre dans les prochains jours ou les prochains mois avec un nouveau DLC ou une nouvelle trouvaille. Je sais pas si c'est mon jeu qui a bugué. Avec un nouveau DLC. Et c'est à l'époque là. Ah non, la première mise à jour de GTA n'était pas encore sortie, je crois. On enchaîne donc avec une nouvelle chose, c'est cette map qui est présente dans l'édition spéciale. Waouh, l'enchaînement des vidéos, les images, t'as même pas le temps de voir, ça enchaîne. Du jeu, elle a fait beaucoup parler d'elle avec ses fameux codes. Ah, ça y est, tu t'arrêtes un peu là sur une. Je me suis pas attardé jusqu'à maintenant parce que l'online n'était pas sorti. Maintenant que l'online est au point, que j'ai pu voir. Par contre, en vrai, tous les points sur la carte, c'est juste les points en fait des apparts que tu pouvais avoir, les apparts originaux. Il y a vraiment que les trucs sur les ovnis à chaque fois. Où ça porte un peu à confusion, tu vois. Fast cash, c'est les super-héros qu'on peut braquer. Oh et custom rides, putain, il y a ça, c'est obsolète, hein. Mais il y a les comment s'appelle, les fourgons blindés de groupe sexe qui sont plus dispo maintenant. Ouais. Et là, du coup, tu vois sur la carte, c'est quand même marqué. Donc c'est un truc du passé. Ça, c'est vraiment une map que pour le online. En fait. Le solo avec submersible. Ah ouais, intéressant maintenant de la regarder, maintenant qu'il n'y aura pas de DLC solo, tant mieux, ils se sont inspirés de cette map pour faire de nouvelles choses. Vous avez pu voir dans la partie 2, si je me souviens bien. Et les groupes 6, en fait, c'est les fourgons blindés, parce qu'en fait, tous les fourgons blindés dans les GTA s'appellent groupe 6, c'est une parodie d'une compagnie allemande. Et coucou moi Attila, donc qui est vraiment juste fantastique. Franchement, il y a eu un gros travail de fait, ça a dû prendre beaucoup de temps car il y a cette carte là, c'est une tuerie, hein. Ouais. C'est pas pour rien qu'elle est là. Par contre, je l'adore cette carte. Ouais. Et même au dos, hein, il y avait les inscriptions. Ouais. Et ça, en fait, c'est le point de rendez-vous. On doit se rendre avec $500,000 en cash sur soi. Donc, à mon avis, c'est du multi car l'écriture est beaucoup moins claire que les écritures du solo comme vous pouvez le voir là. Cependant, il y a une autre chose qui nous fait penser à du multi, c'est que en solo, on ne peut pas avoir le choix entre du cash ou non. C'est directement à la banque. Alors qu'en multi, on peut soit avoir du cash sur nous, soit tout mettre à la banque pour ne pas se faire voler de l'argent. Cependant, je n'ai pas encore $500,000 en cash dans GTA Online. Du coup, je mettrai au solo car il y a beaucoup d'inflation. Pour le moment, je suis pauvre. Et étrange, mais il y en a le pire du pire, c'est que 500 000 aujourd'hui, ça se fait tellement simple. Celle qui se trouve à l'observatoire. Et qui est marqué nouvelle match de The Last of Us à l'instant. Avec un peu de chance, t'arriveras à y jouer. Quand la liste des succès a fuité de GTA V,
le premier nom du succès pour ramasser les 50 morceaux d'OVNI, c'était Shot for the Star. Après, ça a été remplacé. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a un rapport avec. Ah, mais ça, le Shoot for the Star, c'était vraiment juste le pain risk, quoi. Par contre, t'as quand même un logo au-dessus, un petit peu OVNI, tu vois. Genre, c'est. Bah, c'est surtout l'œil avec les étoiles, quoi. Tu comprends pas. Partout et cartonné comme un fou de partout. J'ai préféré un peu visiter les lieux. Bon, j'ai tout de même essayé de cliquer devant les portes, mais évidemment, ça n'a rien fait. Cet observatoire, il faut qu'ils en fassent un truc un jour. Il est grave. Franchement. Surtout qu'il n'y avait pas les textures aussi, là, du toit qui a été pété avec la météorite. Ça, c'est à partir de la partie 7, je crois, qu'on commence, où on commence à justement. Le jeu avait commencé à être un petit peu fouillé par des modeurs, etc. Donc tu découvrais certaines choses. Ouais. Et pour l'avoir déjà vu en ligne, la météorite en question est massive. Hein. Ouais. Parce que tu sais, genre, t'avais des modeurs sur PS3, tu sais, genre, qui étaient dans tes sessions, mais H24. Et un jour, en gros, genre, ils ont spawné du coup cette grosse pierre. Et bah, franchement, tu fais oh wow, imagine, ça pourrait être trop bien. J'y suis retourné avec Trevor et là j'ai cherché encore un peu et je suis arrivé ici, là j'ai vu un sniper et c'est pas un petit sniper, c'est vraiment le deuxième sniper le plus violent, le plus gros qui vise bien loin et quand on vise tout droit, on a ce logo, c'est un œil avec un intérieur 5 étoiles. Déjà ça commence un peu la piste avec l'étoile, une des étoiles qui est allumée, enfin c'est vrai qu'à l'époque sur les étoiles, sur les 5, ils, voilà, c'était il y avait la distance d'affichage qui jouait aussi donc forcément ça te... C'est que, vu que t'avais des bugs un peu plus visuels, ça te porte un peu plus à confusion. Je suis vraiment curieux. J'adore que tu tires. Le pire, c'est que tu tires vraiment sur les étoiles et. C'est ouf. Je suis trop curieux maintenant de voir en fait maintenant ce que ça vaut maintenant quoi. Et salut Ramsès. Ramsès, pardon. Bienvenue Ramsès. Toutes les minutes pratiquement, il apparaît super rapidement alors que les anciennes, enfin les autres armes et les kits de secours mettent beaucoup plus longtemps. Du coup, je suis allé devant donc ce fameux bâtiment et là, il y a une petite surprise. C'est un peu énorme parce que vous allez voir donc cet œil. C'est un peu énorme. Mais le nom du bâtiment, c'est Penris. Penris, je sais pas comment on prononce. Un anagramme. C'est sniper dans le désordre. Donc je trouve ça un peu gros quand même qu'on arrive là, qu'il y a un sniper qui apparaisse toutes les 5 étoiles comme les 5 cases du schéma du Mont Chiliad. Je vise vers les étoiles. Il y a beaucoup de coïncidences. Je suis allé devant le bâtiment donc deux jours, on verra de mieux. Et là, on voit à nouveau donc cet œil, et cette fois, il est dans le sol avec les étoiles par terre. Il y a quand même beaucoup trop de coïncidences. Là encore, j'ai pas trop d'explications à fournir. Je fais tout. Non, ça, tu vois, genre, c'est juste trop bien, c'est que c'est le détail qu'ils ont mis autant dans le game design. Tu sais, genre, ils ont fait un logo comme ça qui était super sympa, et ils se sont dit, tiens, c'est quoi, de loin, on va pouvoir le voir. Tu fais ça, ça fait semblant, du coup, que tu tires dessus. C'est très très fou quoi qu'il en soit, voilà. Ah, punaise. On va finir là-dessus avec à nouveau ce gros mystère. Il y aura bien évidemment une 7ème partie que à nouveau elle arrivera dans quelques temps, ça l'aura pas tout de suite parce qu'à nouveau on veut chercher pas mal de choses plutôt que faire des vidéos de 5 minutes, on veut vraiment faire des vidéos un peu longues pour mettre quelque chose sous la dent. Sacrée série du mystère les amis, voilà pour ce réac qui nous plonge dans les souvenirs mine de rien et on espère qu'il y aura d'autres choses sympas. Bon appétit mon Reda, à tout à l'heure. Et donc bah du coup voilà quoi. Du coup c'était quand même oufissime. Quand tu regardes genre là les premières vidéos, tu pars de la enfin tu prends les 5-6 premières. C'est là où du coup tu sens toute le côté découverte. Là le 29 octobre, t'avais quand même le jeu qui avait que un mois. Ouais. Et du coup, tu sais, tu sens que c'est tout frais et c'est ce qui rend la chose encore plus spéciale parce que quand tu vois tout ça, tu te dis ok, d'accord, ça fait kitsch, ok, il y a des théories qui partent un peu dans tous les sens, mais d'un autre côté, il faut se rappeler que là, à ce moment-là, tu pouvais pas savoir, tu n'avais pas le recul, c'est vraiment tu trouves, tu montres, et c'est à chaque fois à repêcher les infos à droite à gauche, à repêcher du coup là, les petits easter eggs par-ci par-là, et essayer de faire un lien du coup avec d'autres choses, c'est... Il n'y avait pas la découverte sur internet, il n'y avait pas les modeurs, il n'y avait pas tout ça, donc du coup, c'était vraiment en mode débrouille-toi quoi. Donc c'était assez énorme. Ouais, tu m'étonnes. Sur cela, les amis, on se fera une réaction. Alors un peu plus tard, faut planifier en cas avec Nico et Loïc.
du mystère de GTA V, du documentaire pour parler en long et en large de tout ça. Nous, sur ce lab, on va partir tranquillement sur Crash Bandicoot 2. Bon, Lucas, je te dis merci, je te dis à bientôt. Il n'y a pas de souci, c'était un plaisir. Et du coup, bah, on se capte très vite et nous, bah, on enchaîne directement sur Crash Bandicoot. Allez, allez, à la prochaine! À bientôt. Hop. Du coup, ce serait cool une vidéo sur le mystère de GTA San Andreas. Alors, il y a une vidéo déjà sur comment ça s'appelle les Easter eggs. On peut pas en faire plus puisque en gros, dans San Andreas, il n'y a pas de mystère. C'est juste les Easter eggs. Donc voilà. Je peux mettre le son. Sur cela, nous, on enchaîne avec Crash et on va recommencer ce niveau. C'est le fameux niveau avec le chien qui nous bouffe et qu'on n'avait pas réussi parce que la dernière fois, je sais plus ce que j'avais. Je crois que j'étais malade ou j'étais. Ou j'étais. Ouais, non, j'étais fatigué, j'étais en train de préparer le déménagement. Ok, la soirée commence tellement bien! Hop! Et voilà les Easter eggs. Merci beaucoup, Axeman. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On va essayer. Waouh! Ok. Je sens que la. Que la que... Déjà premier. Non, mais là, c'est l'entraînement en fait. Il faut mourir 4 fois pour être entraîné. C'est pas possible. C'est pas possible. Putain, j'ai plus de réflexes ou quoi? Ok. Regardez le gros ourson là-haut. Hein, j'ai oublié les pommes. Ah non! Je suis passé par-dessus comme ça, j'ai pas cassé la. Mais j'ai sauté! Mais c'est une blague! Mais c'est une blague! Mais c'est une blague! C'est insupportable! Oh, j'ai cru que j'allais tomber. J'ai cru que j'allais tomber. Bon, on remonte à 3 vies. On remonte à 3 vies. Allez, let's go. Oh non, j'ai loupé le. Ah putain, mais c'est vrai qu'il y a celui-là. Ah non! C'est vrai que celui-là, c'est encore plus dur là. Mais quel enfer ces niveaux! Ah non! Oh!
J'ai cru qu'on avait réussi à feinter. Franchement, c'est des jeux super durs quand même. Ah mais en plus on était mort à la toute fin là, je me rappelle. C'est pour ça que j'avais été aussi un peu découragé. Mais c'est pas possible, il braque mal l'ours. J'avais déjà dit ça aussi la dernière fois. Il braque super mal l'ours. Eh ben. Il nous manque 20 caisses. Comment ça se fait qu'il nous manque 20 caisses? Bon, voilà, on sauve un peu les meubles. C'était compliqué. Hein. Toujours aussi élégant. Alors ça c'est fait. Merci bon Attila. Débloque un chemin en... Bah j'ai pas vu. Ça sent les égouts ça. Eh oui. Bon, on l'avait pas déjà fait celui-là? On l'avait déjà fait celui-là? Mais... Attendez. Pas déjà fait celui-là? Bah oui. Merde. Oh non, t'es con. Attendez, de toute façon, il me reste 0 vie, donc on va le faire. On fera retour au menu principal, mais celui-là, on l'a fait, je suis quasiment certain. On nous arnaque, les amis, là. Ok, on arrête, c'est de l'arnaque. Fin de partie. Essayez non. On retourne la mule parce que celui-là, je suis quasiment certain qu'on l'avait fait. Bah non, il n'y a pas le cristal. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Ok, bon, bah écoutez, il reste plus qu'on va faire celui-là. Hein. Mais où est-ce que du coup on avait fait le dernier moment? Je sais pas. On l'a quand même pas terminé en loupant le cristal quand même. Ce n'est absolument impossible de faire un fail de pareil. On va essayer d'aller tout doucement. Oh non! Je crois que je me rappelle maintenant. Je crois qu'on l'avait pas terminé parce qu'il m'avait rendu fou à cause de ça. Allez, on se concentre. Concentration maximale. Et c'est pas possible, putain, c'est incroyable ça. C'est vrai que je me rappelle, maintenant la caméra était super galère en fait dans les sorties de tunnel. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Je suis pas concentré.
Ça y est, on est bien là, on est bien. On se précipite pas. Salut mon Caxaldine. Alors je trouve le crashing partout apparemment, sorry mais au moins tu restes inutile avec Rage 2 qui au passage est plus facile que le premier à mon sens. Eh ben oui malheureusement, c'est vrai que on n'a pas beaucoup de chance avec The Last of Us. Donc du coup bah on y passait sur PC, franchement ça allait. Mais il y avait des ralentissements et tout, mais en fait on pouvait pas jouer dans les conditions optimales. Et ça me faisait un peu mal au cœur pour The Last of Us. Donc j'ai préféré remettre à plus tard. Mais oui, on reste un peu dans le thème avec, avec Naughty Dog tout de même. Avec Naughty Dog tout de même. Et là, faut pas mourir, sinon on perd les deux masques. Hein. Et salut Captain Chami, Chami. The Last of Us PC la honte, ouais, c'est vrai que c'est un peu le problème de ces studios qui vont démarcher plutôt que de développer eux-mêmes en fait hein. Putain, là ça envoie les gars. Je t'ai fait rembourser. Je peux comprendre que tu te fasses rembourser. Que putain, mais en fait, oui, le cristal était là. En fait, on n'était pas allé. Quel boulet. Qu'elle voulait en fait, on avait fini le niveau sans aller chercher le. On est allé finir le niveau sans chercher. Putain, mais qu'est-ce qu'on avait été des boulets sans déconner. Bah, qu'est-ce que j'avais été un boulet. Même God of War. Bah le truc c'est que malheureusement God of War a été fait par Santa Monica si je dis pas de bêtises. Là c'est Iron Galaxy, c'est un prestataire et ça me fait penser un peu à GTA Trilogy avec Groove Street Games en fait. C'est que on passe par des petits prestataires comme ça mais c'est pas toujours optimisé quoi. Le stream se passe très bien ouais. En fait, si vraiment tu penses te laisser tenter malgré l'énorme appréhension de ce Crash Bash, Nailer t'affronter sur Crash Team Rumble en co ou en coop et toujours actualité. Bah, carrément, c'est sûr que c'est sûr qu'on va le faire. Maintenant, est-ce que je vais kiffer ou pas Mais c'est sûr que Crash Team Rumble, on va le faire. Teeny Tiger. Mais c'est sûr qu'on va le faire. C'est sûr qu'on va le faire. Je me rappelle plus trop. Ok. Merde.
Allez, let's go. Quoi? Et déjà, mes deux masques, ils sont où mes deux masques? Ah, mais il peut sauter en diagonale, moi. Yo mon chief, bienvenue, ça va et toi? Merde l'enfoiré. Et voilà, c'est comme ça qu'on se débarrasse de Tiny. Je n'ai plus aucun souvenir de Crash Bandicoot 2. Et ben voilà, ce soir on fait revenir tes souvenirs. Surtout que là, bah, on approche déjà de la fin. C'est cool de te le voir stream. Et bah écoute, avec grand plaisir mon gif. Tiny Tiger me fume, il est ultra musclé en haut, mais oh, il a les jambes de coq, j'avoue. J'avoue. Là on arrive vraiment dans les niveaux... Bah je crois que c'est le dernier niveau là. La dernière partie, si je dis pas de bêtises, Hanging Out, je crois que c'est la dernière partie, hein, le dernier niveau. Hein. Oh là là, ça vient toujours plus. What? Ok. Ok, d'accord. À l'envers, l'avant-dernier. On va pas avancer trop vite. C'est l'enfer. Je les ai refait sur PlayStation. Ok d'accord. Ok d'accord. JPZ, il y a 5 étages je crois dans l'éventualité où certains ne streament pas. Je vais éviter de citer les boss. Là on a déjà fait le quoi? On a déjà fait 3 boss, donc voilà, c'est le 4ème. Ouais, il me semble qu'on a fait 4 boss. Hein. Comment ça? Comment je suis mort? J'ai pas sauté assez loin?
Reaper, Routine, Tiger, les Komodo Bro, Engine, Export Text. Reaper, on l'a fait. Tiny, on l'a fait. Komodo Joe, on l'a fait. Engine, ben, je pense que ce sera celui-là. Et Cortex, ok. On arrive quand même de la fin. Hein. Tu avances trop, faut avancer. Ouais, mais après, quand j'ai un excès de confiance. Quand j'ai un excès de confiance, ça me réussit pas trop. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Ah bah oui, je suis con. Mince, je... Oula. Il était loin le point de passage. J'avais 8 ans, 35 aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Alors attendez. Parce que j'ai pas envie de tout recommencer. Oh putain, le cristal, j'avais même pas vu le cristal. Il manque une vie là. J'y vois que dalle. Waouh, alors là j'ai vraiment eu du cul, hein. Je vous le dis là, je sais pas du tout comment ça s'est passé, mais là j'ai vraiment eu de la chance. Le 3, bien mais trop facile, y'a pas de challenge. Alors moi mon préféré c'est le 3. What? Ça va et toi mon Younes? Alors, bah niveau 1, Reaper Roux c'est fait. Niveau 2 avec les Komodo, Niveau 3 avec Tiny. Et donc ouais c'est ça, niveau 4. Ok. Hop. J'attends mon cadeau, ça va arriver. J'ai pas eu le temps encore de l'envoyer parce que j'ai plein de trucs à faire et que je fais que courir, mais ça va arriver. Mais on a 10 vies là, ça fait longtemps qu'on avait pas eu autant de vies. Oh bâtard. Ah ça, j'étais sûr que j'allais me faire avoir. Le 4, il me semble, oui, que je l'ai fini. Ça remonte à loin. C'est le château de Cortex, la fin. C'est pas une... C'est pas dans l'espace. Thank you.
Mais non, j'ai glissé. Oh non, mais le piège. J'ai un peu le seum, j'ai perdu mes... Salut Mathis! Non mais là vous êtes témoin que je me suis fait mais... Mince, j'ai cru que... J'avais pas vu, j'ai cru que c'était... passé. Revenu, je galère, je rage beaucoup. Et t'as fini le premier? Parce que quand même le 2 est bon, le 2 est quand même assez complexe aussi, mais beaucoup plus simple que le premier. Donc la vraie question c'est est-ce que t'as fini le premier? Le 1, le 3. T'as fini le 1, le 3, tu gardes sur le 2. Putain, le 1 c'est le plus complexe là. Ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Ah, c'est un niveau bonus, on peut. J'ai même tous les diamants dans le... Putain, incroyable. T'as beaucoup plus de... T'as beaucoup plus de patience que moi. Mais les gars, là, on se fait piéger, là. On peut pas accepter ça. En 2007 ou 2010, ça va, putain. Moi, jamais de la vie, hein. Ok, ça c'est fait. Et merci Samy pour le follow. Ouh, on les a eus. C'est bon, on a nos deux vies, trois vies. Trois et de plus, là on monte. Oh non, j'avais pas vu en haut. J'avais pas vu en haut, il y avait deux vies aussi. Mais comment on faisait pour y arriver? En 2017 est sorti. Juin 2017. C'est lesquels niveaux qui te restent sur le 2 là? Parce que je vois vraiment pas où... Ah non.
Mais c'était ça ou la guêpe? C'est quoi cette arnaque? Je crois que les guêpes on peut pas les niquer hein. Salut Chris, tu devrais regarder si t'as le temps la vidéo de 3h sur les mystères de GTA 5 de Delta. Elle est sortie il y a 3 mois et franchement il apporte des éléments que j'avais jamais entendus. En plus de Rockstar Mag est mentionné plusieurs fois dans la vidéo. Ok, je savais même pas que Delta avait sorti une vidéo, donc ok, super, merci pour l'info. Ah si on peut. J'ai plus de ça. Non, mais qu'est-ce que... Ah, voilà. J'ai commencé le montage, je la finirai ce soir. Comme ça vous l'avez demain. Arnaqué. Je reste kiblo à 11 vies. Dès que je récupère une vie, j'en perds une. Bien avril les mecs. Quoi? Je crois que t'as oublié des mots, Younes. Ah bientôt. Blague. C'est une blague. Double blague. Tu veux le passer cette affaire? Mario Bros de Wish là? Putain, j'étais à 11 villes en paire. Bah let's go.
The Last of Us PC, ouais. Mais du coup, lundi, tout est prêt pour... ouais, c'était le 120 Hz. C'était le 120 Hz. Donc, mais là, du coup, tout est prêt pour la semaine pro, quoi. Lundi, on attaque. Hop là, on enchaîne, tac. Ça c'est encore la neige. Les niveaux avec la neige sont galères aussi. Hein. Caisses. Il va être long le niveau là. Regardez la caméra comme elle est merdique. Oh non. Oh. L'arnaque. Hop là. Ouh, je trouve le 2 plus dur que le premier. Ah non. Bon, je trouve pas. Hein. Oh putain. En fait, il est beaucoup plus piégeux en fait. Voilà. En fait, c'est des pièges trop cons. Et souvent que tu ne vois pas, que tu vois trop tard. Mais non ! L'arnaque ! Ah mais ça va me péter les couilles, j'ai perdu 3 vies comme ça là, c'est bon ! C'est n'importe quoi, je suis largement à côté. Merde. Oh non. Il faut se refaire en ville. Hein.
Voilà. Alors, on va se refaire un peu en vie là. C'est tout ? Ouais, on s'est fait arnaquer une ville. Ah putain, j'ai cru qu'elles étaient toutes tombées. Du coup voilà, en fait, il y a beaucoup de pièges comme ça dans... Et surtout quand t'es pas concentré, c'est un enfer. Voilà, super, les 11 vies, on est déjà tombé à 5 là. Comment je fais pour le buter, cette affaire? Comment je fais pour l'abattre? Je veux dire légalement là, comment je fais pour l'abattre? Techniquement, je sais comment faire. On va faire comme ça. Mais voilà, bon bah. Tant pis pour le masque. On n'allait pas perdre une vie de plus. Oh non! C'est pas possible! Ah, ok. Ok. J'ai eu un peu de chance là. Et ça pour le moment. Au moment ça gère. Boum. Non, il n'y a pas de boum. Enfin, là, il y a peut-être un boum qui va arriver parce que je suis en train de voir qu'il y a une caisse de vie. J'étais sûr qu'il fallait que je saute dessus. Oh.
Ok, il y avait une vie, mais c'est pas grave. Hein. Re-Reda. Bah, tu as raté Crash Bandicoot. Tu sais ce qu'on stream ce soir. Oh l'enfer. Quoi? Ah, je crois que j'étais mort. On panique pas, on panique pas, on panique pas. C'est Wrath of the Cortex qui fait penser à ça, puisque ça c'est sorti avant. De toute façon, tous les jeux qui sont sortis après les jeux PS1, ce sont que des plagiats ratés des jeux Naughty Dog. Hein. Wow, ça c'était bien visé ça. Même Crash Nitro Kart. Crash Nitro Kart, c'est une copie ratée de CTR. Hein. Il est pas trop raté, mais c'était pas non plus le meilleur Crash, quoi. Ce soir, en vrai, on n'est pas trop catastrophique ce soir. Hein ? Ce soir, on tient la baraque. On gère. On gère. Merci, moi, Attila. Après, je vais pas trop parler vite. Parce qu'en général, il y a le retour de karma qui fait toujours mal. Mais pour le moment, ça va. J'aime pas du tout ces niveaux. Oh, regarde la nitro qui est derrière là. Et quand je vous parle de piège, c'est ça. J'ai pas vu qu'il y avait un trou derrière. Oh non, c'est une blague. Je déteste quand ça fait ça. Oh là là, ça me rend dingue. Je vais péter un plomb. Là, c'est une blague. Voilà, il reste zéro vie, donc voilà, merci, au revoir. Mais c'est une blague quand ça fait ça. Allez.
Là, cette fois, c'est la bonne. C'est dommage que Zelosmo n'ait pas fonctionné, ça aurait été cette fois. C'est pas faux. De toute façon, je l'ai dit que je ferai tous les crashs, donc on les fera. Hein. Je pense que le pire, ça va être le 4. Hein. Non. Ah putain, j'ai eu peur, je croyais que ça avait pas tué le macaque. Et un jour marathon. Alors crash, on va faire le marathon CTR déjà. Marathon CTR qui sera pas mal. Allez mort Crow. Ah. J'en étais sûr. Quel enfer. Mais quel enfer. Ça c'est l'arnaque. Naughty Dog n'aimait pas trop les joueurs. Je pense que Naughty Dog c'était surtout des mecs qui voulaient vraiment te faire baver, t'en faire baver. Hein. Et l'anecdote c'est d'ailleurs que c'est Sony qui a demandé à Naughty Dog que Crash Bandicoot 2 soit moins dur que Crash Bandicoot 3. Hein. Le chat, il s'est passé quoi? Mais il s'est passé quoi? Je suis en train de regarder le chat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as visé à côté. Mais comment ça j'ai visé à côté? J'étais sur la caisse. Bah il est bugué ce jeu, je vous le dis moi. Mais what? Quoi? Oh non mais... Attends, j'ai fait un tout petit saut, le truc il est parti à Shy là.
Et juste là, c'est bon. Là, c'est bon aussi. Tu vois qu'à côté de Maru c'est ultra gentil, c'est pas faux. C'est pas faux. Après ça dépend lesquels de Mario, parce qu'il y en a. Je te le dis, j'ai pas envie de les faire. Hein. De ma gueule, mais là vous comprenez bien que c'est comme un bug quand même. Il veut pas. Eh ben. Bah les tout premiers Mario sur Nintendo 64, sur NES, c'est pas easy quoi. Les premiers niveaux ça passe. Après ouais d'ailleurs bientôt j'ai hâte de voir le film. Il y a quand même une petite partie buggée je pense, hein, parce que là, je vois pas comment, mis à part niquer les caisses, mais ça a aucun intérêt. Ce niveau bonus, il commence à me saouler. J'espère qu'on va repartir au moins avec 2 vies. De faire un truc mais ça voulait pas marcher. Et voilà. Ouh. Compliqué quand même. Hein. Ben, on a gagné qu'une vie. On a gagné qu'une vie. La vie est un peu injuste quand même. Oh mince, j'ai pas vu.
Pourquoi on s'inflige ça en fait? C'est censé être des jeux vidéo, c'est censé être des jeux. Pourquoi on se fait souffrir comme ça là? Regarde, ils ont pas l'air cons eux. Ça vaut pas le coup de risquer une vie pour ça. Oh, ça va me saouler ça. On était sûr. Oh, j'ai cru que j'allais tomber. J'ai cru que j'étais tombé. Là, j'allais broyer la manette. Généralement, les jeux PS1 étaient durs. C'est vrai que les jeux d'avant étaient beaucoup plus durs que maintenant. Et salut Mad Dog. Ça va super et toi? Behaving. Ça, je crois que c'est celui qui se déroule la nuit, non? Dans la jungle? Ah non, c'est pas dans la jungle. Bah tiens. Bâtard. Mais j'ai glissé. Mais forcément, ça m'énerve. J'ai glissé, chef. Oh bordel. Ah non, mais c'est pas possible. Yo Natsu. Oh non mais... Un plomb, je pète un plomb. On est en train de perdre tous nos vies là. Mais non mais... Regarde où je suis. Ça va super et toi Natsu, je suis en train de péter un plomb parce que crash psychologique. Non mais c'est une blague. Voilà, maintenant au point où j'en suis, au point où j'en suis. C'est bon, de toute façon j'ai perdu toutes mes vies là. Bah oui, hein, je peux pas... Au bord du gouffre. Fin de partie. Fais chier hein. Allez, c'est reparti. Ah, bien sûr qu'on peut le faire. Oh putain, c'est quoi ce... Je suis passé sous ses jambes, j'ai rien compris. Tuer tout le monde, je peux pas. Mais c'est Mario. Mais oui, c'est Mario. C'est une caricature de Mario. Mais c'est une blague. Pourquoi à chaque fois ça fait ça? On va se mettre.
Mais la caméra, elle est trop chum. La caméra, elle est pas du tout dans l'axe. Qu'est-ce que tu veux y arriver? C'est impossible. C'est impossible. C'est... Ça casse les couilles. Oh putain les cons. Oh mais je les ai pas vu. Je les ai pas entendu arriver. Ah oh, ce niveau il me fait péter un plomb. Il me fait péter un plomb. Il y a des niveaux qui sont pires que d'autres hein. Je sais qu'à la fin du jeu c'est un peu la merde parce qu'il y a les... Il y a les niveaux, comment ça s'appelle Il y a les niveaux en jetpack qui sont bien relous. Blague. Ah, j'ai pas les mots là. C'est vraiment calculé au minimum, au poil de cul, juste pour te niquer. Oh non. Fin de partie. Waouh, putain, niveau à la con là. Voilà, de toute façon il reste 2 vies donc on va pas commencer le niveau avec 2 vies. Hein. On va récupérer nos 4 vies. Mais voilà, voilà. C'est la bonne. Mais me dites pas que c'est pas un bug là. Me dites pas que c'est pas un bug.
J'étais sûr que j'allais me faire niquer. Je crois que j'allais tomber. Mais non, mais j'étais sous terre. Premier niveau, vraiment là, ça commence à rager, ça commence surtout à vraiment prendre la tête. Sursis, il nous faut une ville. Hein. Mais j'ai. Fin de partie. Ah, ça rend fou. Ça rend fou. Ça rend fou. Allez, on y retourne. Aucune logique. Salut, j'étais à Best. Bienvenue à toi. Oui, je voyais rien du tout là.
Allez, let's go, faites-moi gagner 5 vies là. Oh là là, putain, ça commence bien. Ça commence bien. Oh putain, j'avais pas vu. Ouf. Oh, cette chance. Cette chance. Là, j'avoue qu'il y a un petit facteur chance. Hein. Pas grand chose, mais quand même. Hein. Ben voilà. Eh ben. Est-ce que le lancement de... Ah bah oui, oui. Il m'a plus que déçu même. Merci Moreda. Bien sûr qu'il m'a déçu. Celui-là. Merci, merci Ruben, merci Neymar. Je ne l'ai aidé dans ses desseins destructeurs que sous la force et la menace. Mais il recommence, Crash. Il est prêt à tout dans sa soif de pouvoir. Pour donner les cristaux à Engine. Allez, Docteur Engine. Après, ce sera le dernier monde, les amis. Ah putain, oui, je me rappelle. Comme l'a dit le docteur Cortex, qui doit me donner les 20 cristaux que tu as trouvés. Commence bien. Ah mais d'accord. Ah mais d'accord, j'avais pas vu. J'avais pas vu.
Ils sont là à crever ces trucs là. Bon, je peux le niquer lui. Eh ben, c'est laborieux. C'est laborieux. Last niveau, les amis. Merci Moratila. Hop là. Oh, ceux-là ils sont quand même bien galères. Merci mon Yuns. Mais qu'est-ce que tu fais, Crash? J'ai horreur de me répéter. Je veux. Merci Morada. Trouve les 5 derniers cristaux et ensuite apporte-les-moi. Il est un peu trop autoritaire, hein. On va commencer par Rocket. Ça c'est les niveaux dans l'espace, etc. Eux ces niveaux ils sont un petit peu compliqués. Voilà. Voilà, déjà rien que là. Attendez ici. Attendez bientôt à la fin. Hein. En fait là il faut arriver à... C'est trop bizarre parce que la vue... Enfin les commandes sont limite inversées. Attends. Ah c'est trop chiant en fait. Les commandes elles sont tellement pas pratiques en fait. En fait, tu montes et tu descends avec le joystick alors que t'as tendance à vouloir aller vers l'avant, vers le joystick. Et en fait, tu avances et tu recules avec L2 et R2. Et limite, faudrait faire l'inverse. Ah, mon cerveau, il bug complètement. Pour moi, c'est pas logique. Hein. On n'a plus l'habitude de ces jeux-là. C'est insupportable. C'est insupportable. Le gameplay est pourri. Pas mission impossible, mais c'est mission très galère. Et surtout, mais c'est pas logique. Je comprends pas pourquoi ils ont mis ce gameplay là. Et merde.
Quoi? Il s'est passé quoi là? Ah, mes couilles. En fait, le niveau il est super cool, mais c'est les commandes qui sont pourries. En fait, tout est inversé. Il y a aucune logique dans les commandes. Vraiment, c'est super désagréable. Juste pour ça, en fait. Ah putain. Faudrait voir si je peux pas changer les commandes. Je vais essayer de changer les commandes, voir. Parce que là, il y a vraiment aucune logique. L2 et R2, normalement c'est pour monter et descendre. Là c'est pour avancer, reculer. Et l'analogie que c'est pour avancer, reculer, bah là c'est pour monter et descendre. C'est complètement inversé. Option. Forcément on peut pas. Insupportable. Ah, ça me saoule, mais ça me saoule. En soi, le niveau est pas très galère. Hein. C'est juste le gameplay qui fait tout foirer. Hein. Après, il faut que ton cerveau s'habitue aux commandes inversées. Mais bon, sachant que j'ai un cerveau qui marche à 2 à l'heure. Putain, j'étais sûr que j'avais lancé trop.
Non, on peut pas changer les touches, non. Alors, je suis désolé, je parle pas beaucoup là, je suis hyper concentré. Hein. Insupportable, insupportable. Wesh. Ah. Et je crois que le boss final contre Cortex c'est en jetpack aussi si je dis pas de bêtises. Si c'est ça, on a pas fini de rigoler. Hein. Merci Moreda, merci Moatila. Allez. Night fight. Ah c'est celui-là je crois dans la forêt. Ah non. Non, non. Ah bah si ouais c'est lui. Oh là là. Insupportable celui-là aussi. Oh non! Oh non! Oh non, trop le seum! Mine de rien, quand je suis concentré, ça va un peu mieux. Allez, allez, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie. Oh non mais je vois plus rien. Starnak. Bah c'est hardcore là. Faut aller super vite bordel. Ouah, faut pas aller trop vite non plus.
Oh non, elle est pas mise là. Elle est pas mise là, la Luciole. Mais pourquoi j'arrive pas là? C'est quoi ce bordel? Il s'est pas penché, ce con. Ouais. What the fuck? Mais what the fuck? Mais il est bugué ce niveau, pourquoi la Luciole elle me suit une fois sur deux? Allez. Non mais c'est une blague. Pouf. Compliqué hein. Ça fait vraiment penser à un niveau du 1 ça là. Avec dans le château de Cortex là, quand il fallait être éclairé et tout, c'est la misère. Oh non, putain! Mais putain, les caméras, c'est impossible! Les caméras sont trop mal positionnées, tu vois que dalle, tu sais pas où tu vas! Ah non, il nous manque deux caisses. Tu sais que j'ai loupé les deux caisses, moi. Tu sais que j'ai loupé les deux caisses. Mais non, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment ça te fatigue, le Chris, hein? Je suis obligé de... Merci moi Tila et merci Reda. Pack attack. Oh non. Oh non. Putain. C'est super, c'est fantastique. Ah mais je l'ai pas touché! Putain!
Bon allez, on va se suicider, on va récupérer nos 4 vies. Hein. Ah. Ah. Fin de partie. On va repartir sur des bases saines. Mais c'est une blague là par contre, putain, j'étais tellement loin. Putain, c'est relou. De speedrunner le jeu là. En fait, il y a cette raison, faut pas réfléchir en fait. Ah, c'était sûr, il y a trop de trucs là. Oh, j'avais pas vu. Ah non, hein. J'en suis. Ah, j'ai que 9 caisses, j'en suis pas la moitié en fait. Non, non, non. Ouh. Ah, il manque 6 caisses. Allez, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Avec un peu de chance, on finira le Crash Bandicoot 2 ce soir. Hein.
Mine de rien, il reste plus que deux niveaux. Il reste Space Out et Piston. Allez, Piston, il me fait plus envie que Space Out. Space Out, ça sera encore un truc avec le jetpack. Ah non, celui-là, il est horrible. Celui-là, il est vraiment, vraiment horrible. Celui-là, il est vraiment, vraiment horrible. Merci Attila. Ah non! Oh non, mais j'ai sauté avant. Oh merde, t'es con. Oh merde, j'ai pas vu. Oh non, il reste zéro vie. Salut Marvel Galactus. De partie. Oh les boules, le seum.
je recommence, regarde, je recommence. Spyro 4 pour les 25 ans de Spyro. J'ai pas vu la rumeur, mais elle me plaît, donc c'est vrai. Ce serait tellement génial. Officiellement, il est en développement. Hein. Je sais juste pas en fait s'ils ont continué le développement en fait. Mais oui, il est. Wow. Il était en développement là, du côté de Toys for Bob. Incroyable Spyro 4. Oh, ah. Oh non, mais qui est con! Mais qui est con! J'étais sûr. Est-ce que tu préfères les actus de Naughty Dog ou Rockstar en ce moment? Ah bah en ce moment Naughty Dog. Parce qu'il y a de l'actu. Rockstar, y'a rien. Le 3 2000... Quoi? Le 3 2023 est annulé. Je déconne. Ça me paraît tellement improbable mais à la fois tellement possible. Et c'est pas possible. J'ai reçu les accréditations et tout, c'est pas possible. Quoi? Mais non! Mais non! Mais non! J'avais reçu mes accréditations, c'est quoi ce bordel? Mais non! Le seum.
Oh là là. Oh bah ça y est là. Oh, le seum. Ah, j'ai trop le seum. Mais ouais, c'est logique. Du coup, à voir ce que le Summer Game Fest fait là. Geoff Keighley, il va tweeter là. Oh, c'est trop le seum. C'est la fin d'une ère. Mais j'ai vraiment le seum de me dire que j'aurais fait 2-3 et... Le jamais 203 quoi. Le jamais 203. Oh putain. Ah oh, putain, oui, avec leur porte, ils me cassent les couilles. Ah oh, ce seum. Oh non, ah putain, j'étais en train de préparer. Oh putain, là je suis plus concentré là. Là je suis plus concentré, c'est finito, on va se faire niquer. J'étais en train de préparer un bête de programme, je devais y aller, etc. Ah oh, mes couilles là. Ah oh bah oui, mais alors ça après maintenant j'ai commencé. Oh non. Putain, la fin elle est juste là en plus. La fin elle est juste là. Attendez, là je me concentre, je réponds aux questions après parce que la fin elle est juste là. Et j'ai vraiment pas envie de... Ah génial, super. Non, pas demain mon Yon, je te l'ai dit. Je vous l'ai dit toute la semaine. Demain je pars. Je pars en Belgique demain. Je prends la route demain à 10h du matin. Donc non. Il y a le programme sur mon site. Hein. Il y a le programme sur mon site, sur les réseaux sociaux. Donc du coup ça, mais ça je suis sûr que c'est un truc avec le jetpack, un truc comme ça là. On reprendra les lives lundi. Lundi, et là ce sera sur The Last of Us. J'ai fait tous les tests. Tout fonctionne, donc là on est bon. Par contre là, je peux même pas me suicider. C'est quoi ce bordel? Moi je vais me suicider les gars. Voilà. Non mais lundi c'est sûr. Lundi c'est sûr. J'ai fait les tests, j'ai testé, j'ai enregistré, j'ai fait un stream offline et tout. C'est sûr. Là c'est sûr. Moi je sais, mais j'en dis pas plus. De quoi tu sais, Reda? De quoi tu sais?
Non, 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 je déménagerai pas en Belgique. Ouais, ok. Ah, mais d'accord, ok. Ah bah si ça plante lundi, je me désabonne de la vie. Hein. Oh non, mais les gars, là. Mais je suis pas invité, qu'est-ce que tu racontes? Mais les gars, vous m'écoutez en fait sur mes lives ou vous dormez en fait? Ça fait une semaine que je vous dis que je vais à un événement caritatif. J'en ai même parlé tout à l'heure, je... Je suis pas invité, c'est pas confidentiel. C'est pas moi qui participe. Je suis invité nulle part. Quoi? Où il y a des voitures, voilà, merci. Heureusement qu'il y a Axman qui suit, les gars. Je vais mourir pour récupérer ma vie. Et en tant que spectateur, voilà. Bah je vais stream sur Instagram quoi. Il y a peut-être possibilité que je fasse un ou deux lives sur Instagram, mais voilà. Ah mais c'est une blague. C'est une blague. Come on. Oh non mais c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Bah allez, donnez-moi un masque parce que visiblement je vais pas y arriver. Ah putain. Je me précipite. Je me précipite et je... C'est une blague. Bon allez, on va recommencer. Hein. On va recommencer, il reste zéro... Enfin, il me reste zéro vie, on va pas commencer à niveau avec zéro vie. Putain, mais là j'y arrive du premier coup, mais ça rend fou. Comment est-ce possible en fait? Comment réussir ce niveau? Bon, je crois que ce dernier niveau, il va être de trop pour finir la soirée. Et je crois que psychologiquement, on va pas... Je crois que psychologiquement, ça va pas le faire. Allez, on se concentre totalement. Il a pas sauté, il y avait la plateforme qui m'a empêché de sauter.
Sims. Je lui ai atterri dessus là, l'arnaque. Hop hop hop. On va d'abord aller dans le niveau bonus. Ah oh, super. Un showcase en juin. Possible. Possible. Là, je me suis fait niquer. Ouais, un showcase en juin, je pense que c'est possible. Je pense qu'en juin, ça va tout miser sur le Summer Game Fest. Après, en soi, c'est pas mal qu'il y ait plus qu'un événement, parce que le 3 et le Summer Game Fest, ils se faisaient auto-concurrence, c'est de la merde, et c'était sûr, mais... Mais c'est le 3, quoi. Le 3 qui s'arrête... Je sais pas. Moi, ça me... qui s'arrête, moi ça me... Même imaginons qu'il y a le Summer Game Fest qui le remplace. Oh nick, je vais perdre. Même si le Summer Game Fest le remplace et qu'on a un Summer Game Fest en physique à Los Angeles, bah, ce sera pas le 3. Ce sera pas le 3, je sais pas comment dire. Super, j'avais pas vu. Ouais, le 3 c'était... Bah c'était le 3 quoi. Là, bah... Pff, ouais. Comment faire? Comment? On arrive à la fin en plus. Oh non, 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 y'a combien? Oh, y'a qu'une vie.
Non, mais j'ai sauté. Un masque, un masque, un masque, un masque, y'a pas de masque, c'est foutu. Quoi? Oh non, là par contre les gars... Les gars, c'est sur ça que ça va s'arrêter ce soir, parce que là j'ai pas la condition... 3 heures de crash finalement, c'est trop dur. C'est trop dur, et surtout quand tu te fais niquer comme ça. Du coup les amis, c'est sur ça que ça va s'arrêter ce soir. On finira avec Crash Bandicoot 2 lors d'un prochain stream, et on enchaînera sur le 3. Du coup, ce week-end, comme je vous le dis, pas de stream, mais vous pouvez suivre ça directement sur mon Instagram. Point d'exclamation réseau, hop. Voilà, et comme ça vous aurez tous les liens pour suivre. Je risque de faire pas mal de stories, peut-être un live ou deux. Ça dépend comment ça va se dérouler. Et nous on se donne rendez-vous lundi pour un petit stream sur The Last of Us. Et puis voilà. Sur cela les amis, prenez soin de vous. Passez une très bonne soirée, passez une très bonne nuit. Et nous, on se dit à très vite. Salut à tous.